بون سي نبيل، مرحبا بك في ميغا كارت. يعني شعورك يعني بعد ما درت تورنا في ميغا كارت لهنايا في لو سيركوي، يعني واش تقدر يعني تعطينا رايك على السيركوي، على لي فواتور لي كار اي لي سونساسيون كو فوز افي يو ان كوندويزون افيك لي بروتيكسيون نيسيسير؟ شوف والله يعني c'est une impression formidable pour celui qui aime bien les sensations, qui aime bien la voiture, les sports mécaniques. Les sensations qu'on a ici dans ce circuit, elles sont formidables. C'est-à-dire, on a cette réaction du corps, la voiture. C'est comme une véritable voiture. En fait, elle soupire, elle survire, on braque, on contre-braque, et c'est très, très, très physique, contrairement à ce que l'on peut penser. Les sports automobiles sont très, très physiques. J'étais agréablement donc surpris par la qualité du circuit. Apparemment, c'est un circuit qui est très, très bien étudié pour avoir une course variée et qui a donc ses difficultés à un moment donné. Mais en grosso modo, après avoir terminé, on ressent énormément de plaisir et nous n'avons qu'une seule envie, c'est celle de remonter dans ce kart. Merci Megakart. Et puis, Inch'Allah, davantage de succès. Et on voudrait connaître bien l'avis de M. Nabil, Yanni, concernant le niveau sécuritaire, quand on est sur le kart. Ah oui, sur le kart, d'abord, on est très bien pris en charge par la structure donc, du véhicule lui-même. On est bien enveloppé. Nous avons donc cette ceinture de sécurité qui est là. Mais il y a donc des instruments, de sécurité passifs, comme le port donc, de... La minière. Et puis il y a un gilet, le casque. On est très bien pris en charge sur le plan de la sécurité par rapport aux véhicules eux-mêmes et les équipements fournis par Megakart. Moi-même, j'ai eu, je crois que c'était de ce côté-là, j'ai un peu buté sur la porte. C'était un choc assez violent, mais je n'ai absolument rien ressenti. D'ailleurs, j'ai continué comme un champion. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Nabil, de votre visite. À très bientôt, Inch'Allah. Salam.